Chapitre 4. Donner son avis, exprimer son opinion. Voyage à Paris. Il est possible que j'aille à Paris le week-end prochain. C'est la première fois. Que me conseillez-vous? En cette saison, il faut que vous preniez des vêtements chauds. Oui. Emportez aussi un imperméable et un parapluie. Oui, et quoi d'autre? Si j'étais vous, je ne prendrais pas l'avion. Il est toujours en retard. Ah bon? Oui. Et là-bas, faites attention à votre portable. Il y a beaucoup de vols en ce moment. Ah oui? Oui, oui. Méfiez-vous. Bon, je vous remercie, mais je crois que je vais rester à Toulouse. C'est plus sûr. Dans la cabine d'essayage. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va? Oui, oui. Tu es sûr? Oui, ne t'inquiète pas, puisque je te le dis. C'est vrai? C'est ma taille? Oui, je t'assure. Bon, je vais la prendre. Baccalauréat. Francis, tu penses que tu auras ton bac? Mais oui, papa, tu vas voir, ça va marcher. Je suis un peu inquiet pour toi. Tu n'as pas vraiment révisé les maths. T'en fais pas, j'ai un bon niveau. Ouais, j'espère que tu as raison. Chapitre 5. Exprimer des sentiments. Inquiétude. Oh Paul, te voilà. Je suis inquiète pour Sophie, elle n'est pas encore rentrée. Elle est très en retard? Elle devrait être là depuis une heure. Arrête de te faire du mauvais sang. Tu te fais beaucoup trop de soucis pour elle. C'est une grande fille maintenant. Tiens, j'entends son pas dans l'escalier. Tu vois, j'avais raison. Tu es rassurée maintenant? Ah, te voilà. Où étais-tu? Je suis allée chez Noémie. Elle voulait me montrer sa nouvelle guitare. Tu aurais pu me prévenir! Le téléphone, ça existe! Déprime. Salut Brigitte, ça va? Ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le cafard depuis que Marc est en stage à Londres. Ce n'est pas la fin du monde. Il revient quand? Le mois prochain. Allez, courage! Un mois, c'est vite passé. Promotion. Vous savez, il paraît qu'Alexandre, le nouveau, est devenu l'adjoint de Favier, le directeur du marketing. Ça alors? Dites donc, Monsieur Musil doit être fou de rage. Je vous crois, il était vert de jalousie. Avec ses 15 ans d'ancienneté, voir ce petit pistonnet lui passer devant, vous imaginez? Bien sûr, je n'aimerais pas être à sa place. Quand même, je n'aurais jamais cru Favier capable de faire ça. Vacances. Alors, tes vacances? Mes vacances? Pas terribles. Je me suis ennuyé à mourir. Je me suis cassé la jambe le premier jour. Oh mon pauvre, pas de bol. J'ai donc dû rester au chalet sans rien faire. Aïe aïe aïe, c'est sûr que ça ne devait pas être génial pour toi. Des vacances comme ça, j'en veux plus. Et les tiennes au fait? Pour moi, c'était vraiment chouette, j'en suis ravi. On dirait. Moi qui suis un trouillard de première, j'ai fait du saut à l'élastique. Et encore mieux, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Tu imagines? Oui, je vois. Et quand est-ce que tu me la présentes?